Bonsoir les amis de GS4. Ce soir, pour clôturer notre projet sur la vie végétale, je vais vous lire les plus beaux contes du monde, dont Jacques et le haricot magique. Et ce n'est pas Marlène Jobert qui vous le lira ce soir, c'est Florence. Vous êtes prêts? On y va. Jacques et le haricot magique. Il était une fois un petit garçon vif et malicieux, qui s'appelait Jacques. Il était tout prêt à se lancer dans 1000 aventures. Rien ne lui faisait peur. Sa mère, une pauvre veuve, ne possédait qu'une vache dont elle vendait le lait pour gagner de quoi vivre. Mais voilà qu'un jour, les pies de la vache ne donnèrent plus une goutte de lait. C'était là notre seule richesse. Qu'allons-nous devenir maintenant? Se lamentait sa maman. Ne t'en fais pas, je m'en irai gagner notre vie et je reviendrai avec plein d'argent, dit Jacques les yeux pétillants. Mais non, comment feras-tu mon petit? Tu n'as que 7 ans. « Emmène plutôt notre vache au marché et vends-la à celui qui t'en offrira le meilleur prix. »« Bonne idée !» fit Jacques. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il passa une corde au cou de l'animal et partit pour la ville. En route, il rencontra un vieil homme un peu étrange. « Bonjour, Jacques !» lui dit-il en souriant. « Bonjour, mais comment savez-vous mon nom ?» « Ah ah, je suis un peu magicien. Tu vas au marché ?»« Oui, je vais vendre ma vache, » dit fièrement l'enfant. « Tu n'en tireras pas grand-chose. Dis-moi, mon grand, peux-tu deviner combien de haricots j'ai dans mes poches? Si je t'apprends que j'en ai autant que de doigts à une main ?»« Oh, facile !» répondit Jacques en s'esclaffant. « 5 !»« Tout juste !» fit le curieux bonhomme, en lui montrant 5 superbes grosses fèves. Le petit garçon n'en avait jamais vu d'aussi belles. Il les admirait, les regardait encore lorsque le vieil homme proposa. « Je te les donne si tu veux, mais en échange, tu me laisses ta vache. Vous voulez rire, ma mère serait furieuse, je préférerais vous la vendre. Mes graines valent bien plus que ta vieille vache, crois-moi, » s'écria l'inconnu. Tu ne connais pas leur pouvoir, petit. Plante-les aujourd'hui et demain, elles feront ta fortune. Jacques réfléchit un moment et finalement accepta d'échanger sa vache contre les haricots extraordinaires. Il empocha les graines et, tout heureux, rentra vite chez lui. Déjà de retour, s'étonna sa maman en l'apercevant. On t'a donné combien pour notre vache? Devine, répondit Jacques, avec un air triomphant. Allons, combien? Montre-moi vite. Tu ne devineras jamais, reprit le petit tout, excité en sortant les graines de sa poche. Quoi? Des haricots? Notre vache pour 5 haricots? « Tu t'es fait rouler, triple idiot! Allez, file te coucher! Je ne suis pas contente !» s'écria la maman en le giflant même. Et, rouge de colère, elle jeta les graines par la fenêtre. Jacques se retrouva dans son lit, sans même avoir eu le temps d'expliquer à sa maman que les haricots étaient magiques. À son réveil, il eut une curieuse impression. Le soleil semblait avoir du mal à pénétrer dans sa chambre. Intrigué, Jacques sauta du lit, courut à la fenêtre et là, quelle surprise! Une énorme tige verte jaillissait de terre et fusait jusqu'au ciel, trouant même les nuages. C'était un des haricots qui avait germé pendant la nuit. L'étrange vieillave n'avait donc pas menti. Mais jusqu'où cela peut-il bien monter? Se demanda Jacques en regardant la plante gigantesque, et il ne résista pas à l'envie de l'escalader.
Il grimpa longtemps, longtemps, longtemps et finit par arriver sur un nuage. Il prit ensuite un chemin qui le mena tout droit à une maison plus vaste qu'un château. Devant la porte se tenait une femme d'une taille gigantesque. Jacques ne lui arrivait même pas aux genoux, mais cela ne l'impressionnait pas du tout. Comme il avait très faim, il la salua poliment et lui demanda « Bonjour, madame, seriez-vous assez aimable pour me donner quelque chose à manger ?»« Mon pauvre enfant, c'est toi qui risques fort d'être mangé si tu ne pars pas immédiatement. Mon mari est un ogre et il a un très très gros appétit. » Et il va revenir d'un moment à l'autre, et rien ne lui plairait davantage pour son déjeuner qu'un jeune garçon rôti. Sauve-toi vite, 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 vite. Madame, je préfère encore mourir rôti que mourir de faim, répondit le petit Jacques. La géante, qui n'était pas une mauvaise femme, l'emmena à la cuisine et lui servit du fromage, du lait et du pain. Jacques n'avait pas encore avalé la moitié de son déjeuner, que le sol se mit à trembler. « Oh là là, mon Dieu, l'ogre approchait !»« Vite ! Saute là-dedans !» souffla la géante. L'enfant eut à peine le temps de se cacher dans une marmite que le monstre de Marie ouvrait déjà la porte et entrait. Il était immense, terrifiant, et ses dents occupaient la moitié de sa figure. Il portait trois veaux attachés par les pattes à sa ceinture et jeta les animaux sur la table en disant « Femme, fais-m'en donc rôtir deux tout de suite, je suis affamée. Mais qu'est-ce que je sens là et qui me chatouille les narines? On dirait l'odeur d'un enfant. Ben, ça doit être celle du petit garçon que tu as mangé hier soir et qui flotte encore dans la cuisine, répondit la femme. Va donc te laver. Cependant, je prépare ton repas. Lorsque l'ogre fut sorti, sa femme chuchota à Jacques. Attends qu'il dorme pour te sauver. Il fait toujours une sieste après avoir mangé. Le petit garçon obéit et ne bougea pas. Après qu'il eut dévoré ses deux veaux, le géant alla chercher plusieurs sacs et quand il en vida un sur la table, ce fut une pluie de pièces d'or. L'ogre se mit alors à les compter et recompter inlassablement jusqu'à ce que sa tête tombe sur sa poitrine et qu'il s'endorme. Son ronflement était plus fort que le tonnerre. Jacques, qui avait tout vu, profita de ce que la femme eut le dos tourné pour sortir de sa cachette. Sur la pointe des pieds, il s'approcha tout près de l'ogre et, avec mille précautions, saisit un sac. Il courut aussi vite qu'un lièvre jusqu'à sa tige de haricot, lança d'abord le sac qui tomba et atterrit finalement dans son jardin. Puis, à son tour, il descendit. Sitôt en bas, il s'empressa de montrer le trésor à sa maman et de tout lui raconter. Ils purent vivre sans souci quelque temps, mais un jour, ils se retrouvèrent à nouveau sans argent. Alors Jacques décida de retourner chez l'ogre. Il escalada de nouveau sa tige de haricot, arriva au ciel, traversa les nuages et se retrouva devant la maison des géants. « Te revoilà, toi ? » fit la femme en ouvrant la porte. « Ne traîne pas ici. Si mon mari te voit, il te croquera tout cru. Il est très en colère, car un de ses sacs d'or a disparu. »« Madame, je peux vous expliquer ce qui est arrivé, mais seulement après avoir mangé. » La géante était très curieuse d'entendre des explications de ce petit garçon intrépide. Elle le fit entrer et lui servit deux immenses tranches de pain beurré et un grand bol de chocolat au lait. À peine Jacques avait-il mordu dans une tartine que toute la vaisselle vibra dans la cuisine. L'ogre était déjà de retour et cette fois l'enfant dut se cacher dans le four. Plus tard, après avoir fini son repas, l'ogre ordonna « Femme, apporte-moi donc ma chère petite poule !» La géante la lui amena tout de suite et la laissa devant lui.
Le monstrueux colosse caressa doucement les plumes de la poule qui, aussitôt, pondit un œuf extraordinaire. Un œuf tout en or! Après l'avoir longuement contemplé, l'ogre satisfait glissa peu à peu dans un profond sommeil et son fameux ronflement fut pour Jacques comme un signal. Il l'attendait avec impatience. Il sortit du four en silence, attrapa la poule. Mais celle-ci, effrayée, s'agita dans tous les sens et se mit à caqueter, glousser, quoi, piailler si fort que le petit courut plus vite qu'il ne l'avait jamais fait en tenant fermement l'animal sous son bras. L'ogre, réveillé par ce tapage, hurla. « Femme, où est passée ma poule aux œufs d'or ?» Mais l'enfant était déjà loin, il avait dégringolé le long de sa tige et arrivait dans son jardin. « Vas-y » fit-il à l'animal en le caressant. Et sous les yeux éberlués de sa maman, la poule pondit encore un œuf d'or. Elle recommença chaque fois qu'ils le désirèrent. « Vas-y !» si bien qu'ils ne souffrirent plus jamais de la misère. Mais quelque temps plus tard, Jacques, qui avait pourtant tout pour être heureux, s'ennuya. Et un matin, ce fut plus fort que lui. Il ne put résister au désir de regrimper au fameux haricot. Cette fois, il s'arrêta derrière un petit nuage et attendit sagement que la géante soit sortie chercher de l'eau au puits pour se précipiter dans la maison. Bientôt, avec un grondement sourd, la terre trembla. La porte s'ouvrit à grand fracas. Pouang ! L'ogre et sa femme étaient de retour. Jacques eut tout juste le temps de se cacher dans un placard. Renifla le géant. Ça sent la chair fraîche. Mais non, il n'y a personne ici, répondit sa femme. Puis comme l'ogre regardait un peu partout, mais ne trouvait rien, elle ajouta. Allons, tu vieillis, ton flair te joue des tours. Le géant, vexé de s'être trompé, se mit à table, mais se releva tout de même pour fouiller encore ici et là, en marmonnant. « J'aurais pourtant jouré. » Après qu'il eut fini de manger, il demanda à sa femme de lui apporter sa harpe. Il la posa délicatement à côté de lui, et la harpe joua toute seule. Elle était enchantée. Jacques, dans son placard, était fasciné. La mélodie merveilleusement douce et mielleuse berça l'énorme monstre qui très vite s'endormit et son ronflement, vous vous rappelez, se mêla alors à la musique, ce qui provoqua un effet assez comique. En se retenant de rire, Jacques sortit du placard et s'empara de la harpe enchantée. Il bondit au dehors. Mais soudain, pour réveiller l'orgue, la harpe se mit à grincer toute seule d'une manière infernale. Le géant sursauta et, furieux de voir le petit garçon s'enfuir, se rua à sa poursuite en rugissant. Juste au moment où il allait l'attraper, Jacques réussit à sauter sur sa tige de haricot. L'ogre hésita un instant à descendre, mais ivre de colère, il s'élança quand même après l'enfant. Dès que le petit toucha terre, il cria à sa maman « Vite, apporte-moi la hache ! Apporte-moi la hache, maman !» La mère accourut aussi rapidement qu'elle put pour la lui tendre. Jacques cogna un grand coup sur la tige du haricot. Celle-ci se brisa et l'ogre, de tout son énorme poids, s'écrasa par terre, la tête la première, et ne se releva plus jamais. Le petit garçon et sa maman était devenu si riche que lorsque Jacques fut grand, il put épouser une gentille et jolie princesse. La mélodie de la harpe enchantée accompagna longtemps leur bonheur immense, et la princesse ne cessa d'admirer son mari pour son audace, sa gaieté et son intelligence. Fin de l'histoire de Jacques et le haricot magique. Je te souhaite une bonne soirée et demain, je continue l'histoire du petit prince. Fais de beaux rêves. Pitou.
Tu t'es encore endormi, attention !